comme lui savoir dresser la table, comme lui nouer le tablier. Depuis Diaconia 2013, la paroisse de Cergy, en lien avec le Secours catholique, organise régulièrement, tous les mois, une taupe, table ouverte paroissiale, où sont invitées des personnes que nous rencontrons, parfois seules, parfois en difficulté, dans le cadre du Secours catholique ou des rencontres des uns et des autres. Mais qui est la paroisse de Cergy dans ce contexte? Eh bien, ce sont les paroissiens, bien sûr. Et l'idée est venue que l'organisation de ces soirées ou journées soit prise en charge par des groupes divers de la paroisse. Groupes de réflexion, groupes de prière, CVI, puis de la parole, service évangélique des malades, mais aussi par des personnes individuelles. Une réunion de préparation a lieu une dizaine de jours avant la taupe, où là, c'est à la fois l'organisation matérielle, l'animation, et aussi une réflexion sur l'accueil de l'autre, différent. Je veux aussi souligner la présence de jeunes qui ont reçu cette mission à leur confirmation. Être présente à ces taupes avec une attention particulière aux enfants. C'est une belle ouverture pour eux et une découverte de la rencontre. Ben, je peux en dire que l'idée de base, c'était la collaboration entre la paroisse et les secours catholiques à la suite du Diaconia, pour surtout au secours catholique, on reçoit beaucoup de personnes en isolement. C'était bien de les mettre ensemble avec les paroissiens pour qu'ils fréquentent d'autres personnes que de rester enfermés dans les hôtels où ils sont plaqués. Quand on vient d'arriver dans la ville de Cergy, on ne connaît personne. Ouais, bah on se retrouve ensemble, c'est convivial, on a des gens charmants qui nous font une bonne cuisine, et bien on a tout pour se sentir bien. Tu as discuté avec Dominique, avec Manuel, Je suis venu plusieurs fois. Et ce que j'ai aimé particulièrement, c'est la rencontre les uns avec les autres, pouvoir discuter avec des gens de cultures différentes, d'horizons différents. Et aussi autour d'un repas qui était préparé les uns par les autres. Voilà. Donc on se retrouve une fois par mois et c'est vraiment, vraiment, vraiment très agréable. Je voudrais remercier tous ceux et celles qui ont participé à faire le repas parce que c'est délicieux. Ils ont vraiment mis de leur amour dedans. La délicieuse soupe d'aujourd'hui, c'est Marie-Odile. C'est ça le principe de top, d'appeler les gens dans l'isolement. Donc voilà, c'est pour moi, c'est mettre la parole de l'Évangile en pratique. C'est ça qui me touche le plus. T'es contente de venir ce soir avec tes enfants? Oui. Pourquoi? Vous vous ennuyez? Vous vous ennuyez? Ah oui. Et qui est-ce qui t'a invité? Il y avait Karine qui m'avait invité. Ah, c'est Karine qui t'a invité. D'accord. Elle t'a donné envie de venir. Oui, exactement. Parce que Karine, elle vient de temps en temps. Voilà. Tu es déjà venue ici? Oui. Est-ce que tu étais contente de venir avec papa et maman? Oui. Oui? Qu'est-ce que tu as aimé? La soupe. La soupe? Et puis? La galette des rois. La galette des rois. Comme lui savoir dresser la table, comme lui nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour.